Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons attaquer la partie 2 de notre série consacrée à un look cottagecore English Countryside. Aujourd'hui, nous allons coudre un pantalon, et pas n'importe lequel. Je pense que c'est un modèle que vous ne connaissez pas forcément car il est peu connu par chez nous. Il s'agit du pantalon Hepworth de Homage Couture. Le pantalon Hepworth est un joli modèle taille haute. Je ne porte quasiment que des vêtements, jupes ou pantalons avec une taille montante. Je trouve ça beaucoup plus confortable et ça donne tout de suite un petit look rétro. Celui-ci a deux doubles plis sur le devant qui créent comme des pinces pour donner un peu de volume et suivre les courbes du corps. La jambe est un peu plus fuselée sur le bas. Il est disponible de la taille 24 à 30, ce qui correspond à un 32-40. Peu de taille disponible donc. Je vais le couper en 26 pour ma part, c'est-à-dire l'équivalent 36. Pour réaliser ce pantalon, vous aurez besoin d'une fermeture éclair de 17 cm, d'un bouton ou d'une fermeture à pression, d'entoilage pour la ceinture et la braguette, environ un quart de mètre, deux doublures pour les poches. Si vous avez des restes de coton léger, c'est le moment de les utiliser. Il vous faudra également entre 1,50 m et 2,50 m de tissu selon la largeur du lace. Pour le réaliser, j'ai opté pour un lainage que j'ai chiné dans une brocante en Bretagne. J'ai essayé de trouver plus d'informations sur ce textile et sa filature, mais à part l'inscription Rotary sur la lisière, je ne trouve pas grand chose. C'est un tissu qui semble néanmoins daté des années 40. Il y a parfois quelques ventes sur eBay si ça vous intéresse. En tout cas, je trouve que c'est un modèle qui marche très bien en laine, velours et peut-être dans un lin avec une bonne tenue. Concernant le niveau de couture, il est annoncé comme débutant. À voir! Passons maintenant à la coupe. Je ne possède pas de table assez grande à l'atelier, j'ai donc pour habitude de couper par terre. Pour les tissus délicats, je le fais parfois sur mon bureau. Mais pour ce lainage, ça ira, il ne risque pas grand-chose. Parfois, je rêve d'avoir un atelier plus grand, avec assez d'espace pour avoir une grande table de coupe, une partie studio photo et vidéo que je n'aurai pas à désencombrer chaque fois que je photographie une création. Pour le moment, c'est la partie chambre d'amis que j'envahis, mais j'espère qu'un jour, nous pourrons agrandir la maison. Dites-moi, est-ce que vous avez un atelier dédié à la couture chez vous ? Ça fait une demi-heure que je cherche la pièce de doublure de poche. Je l'ai cherchée partout et devinez où elle est. Hop ! Elle était là, sous une autre pièce. Ma pièce de poche enfin retrouvée, je termine la coupe et je vais pouvoir attaquer la couture. Enfin, avant il y a une grosse partie de préparation des pièces à thermocoller et à préplier. Pour gagner du temps en couture, je vous conseille d'essayer de cumuler les étailles similaires. Par exemple, je vais faire tout ce qui se fait au fer, les replis, marquer les futurs ourlets, thermocoller toutes les pièces, préplier les pinces. Ensuite, je passerai à la surjeteuse puis à l'épinglage si besoin de toutes les pièces à coudre ensemble. C'est un peu du batch sewing si on peut dire. Je ne l'ai encore jamais proposé sur ma chaîne, mais il serait peut-être intéressant que je vous montre la réalisation d'une pièce de A à Z, avec vraiment chaque étape, et comment j'optimise mon temps de couture. À voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un sujet vous intéresse particulièrement. Il y a sûrement des sujets auxquels je n'ai pas pensé, un format que je n'ai pas encore mis en place. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire, ça pourra m'aiguiller pour les futures vidéos.
Et voilà, toutes les pièces sont thermocollées et surjetées là où il était préconisé de le faire. On va pouvoir passer à la couture. Mais en parlant de surjeteuse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur le sujet du matériel que j'utilise vous intéresserait. Il est parfois difficile quand on débute ou même après, quand on doit changer de matériel, de savoir dans quelle direction aller. Et je pourrais vous faire bénéficier de mes conseils en la matière et surtout concernant le matériel que j'utilise. Ah, tant que j'y pense, petite astuce pour avoir des plis bien plats. Quand vous repassez vos pièces pour ouvrir une couture ou marquer un pli, je vous conseille d'appliquer immédiatement une pièce de bois brut, bien plane et indemne d'écharpe surtout, sur la partie à aplanir. Le bois va absorber l'humidité excédentaire et en refroidissant, le tissu va mieux marquer les plis. Bon, j'utilise ce qui traîne dans l'atelier pour ma part, ici ce sont de vieilles matrices d'impression que j'ai trouvées dans une brocante en Écosse. Cette fois, j'ai utilisé ma machine la plus récente car je n'ai qu'une seule canette sur l'autre qui était montée en blanc. Les deux me conviennent, l'expérience sonore et le ressenti de couture est différent, mais le point reste joli sur les deux. Le premier essayage s'est bien passé. Je vais devoir raccourcir encore les jambes, mais avec mon 1m60, je suis habituée finalement. J'ai terminé en posant la ceinture et je n'ai pas glissé les passants car je pense le porter avec des bretelles. Finalement, je me dirige plus sur un style Hobbit du Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression. Voici ce que ça donne d'un peu plus près. Et voilà, mon pantalon F-Force est maintenant terminé. Et il semblerait même que le soleil soit au rendez-vous pour finir cette vidéo. Je dois tout de même vous dire que ce pantalon n'est pas mon modèle favori. Il taille certes élégamment et les explications sont plutôt claires, mais j'ai tendance à préférer une coupe comme le pantalon acajou de Direndo qui lui est très similaire. La semaine prochaine, nous allons coudre une veste. J'hésite encore sur le modèle car j'étais partie sur la veste Jakika de Couture Générale, mais qui a tendance à demander pas mal de matière. Et vu que je voudrais la coudre dans le même lainage que le pantalon, je doute d'en avoir assez. Donc on verra ça la semaine prochaine ensemble. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Et surtout, bonne couture!